Je vous salue ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père céleste, Créateur des cieux et de la terre, nous te remercions ce soir de nous avoir accordé ce petit moment pour écouter ta parole. Nous te demandons de nous bénir. Que ta parole puisse avoir de l'impact dans nos cœurs. Pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue encore une fois de plus au nom de Jésus-Christ. Ok. Je voudrais, avant de prêcher, dire quelque chose. Pour ôter les mensonges, je devrais le faire le dimanche, mais le temps nous presse toujours. Je voudrais ôter beaucoup de mensonges qui circulent dans les internets. Je voudrais quand même le dire aujourd'hui. Je voudrais parler, quand je reviendrai, si je reviens des États-Unis, je vais mettre ça dans un livre. Ça sera tout un livre sur l'historique du message dans la grande orientale de Mambré. Tango na kozonga na mokili Amerika, na kosala ngolo kola buku, na kokoma buku ndenge, sango malamu oyo tondimi ebandaki na etuka ya monyele ndenge zalaka liboso. Je voudrais d'abord vous dire pour la première fois, notre pasteur, le pasteur Ngonde, Mobateli Ngonde, il n'a pas commencé à servir Dieu ici, dans le message. Il avait été dans les dénominations là où il était militaire. Azalaka kuna na bibongiseli na mangomba kuna azalaka soda. Il avait été même diacre là-bas. Il avait sa carte de diacre depuis 1968 ou 72. Et azalaka ta diacre na bibongiseli kuna ya mangomba azalaka ta na carte na ye ya ya musungi to diacre kuna na bibongiseli ko banda 1968 et to ba 1972 quand il y a eu guerre dans le bas Congo vers Boma Wakitona, tous les militaires qui étaient partis en guerre dans cette église là, il était resté avec plus de 300 femmes sans leur mari est en guerre, et il était le seul diacre. Bongo na bitumba tango ezalaka kuna na Goma kuna na Boma kuna na Bakongo mibali basoda ebele bakendaka na bitumba yenda tikalaka pene na basi na bango kama misato lokola diacre ya lingomba na kankuna. Ka il est venu à Kisangani, bongo tango ye mobate lingomba ye na Kisangani, il prêchait la parole de Dieu même dans les marchés. Abandaka kote ya liloba na Nzambe ata na bazandu. Il prêchait la parole de Dieu même là à l'Onatra. Abandaka kote ya liloba na Nzambe ata kuna na Onatra. Je ne sais pas si à ce moment-là Papa Antanas travaillait là-bas. Je crois qu'il l'avait vu là-bas prêcher la parole de Dieu. Na banzi na ebite Papa Antanas ke bazela kuna. Na banzi amona ye kote ya liloba na Nzambe Papa Antanas yango aza kuna. En 73,
na 1973 ou 72 to 1972 le mouvement qu'on a appelé fait pas qu'on zambé malamu fait pas en ces temps-là mouvement ya mangomba oyo babengaki yango fait pas en na tango wana yango fait pas qu'on zambé malamu lelo. Cela avait commencé vers l'est de la République, c'est-à-dire à Nairobi avec l'arrivée de Tommy Osborne et Oral Roberts. Yangwe bandaka na ngambo de bimelo na tango ya mboka na biso na ngambo na ba Kenya kuna Nairobi na basali na Nzambe ba Oral Roberts na Tommy Osborne. Et ce mouvement est arrivé jusqu'à Aru, reçu par le représentant de Nzambe Malamu Aidine Abala. Bongo mouvement wa ekoma kiti na Aru na Congo bato ango bayamba maki na représentant na bango. C'est lui qui avait mené ça. Lui avait reçu ce mouvement depuis Nairobi, il a mené ça à Aru à Dalituri. Bongo Aidine Abala oyo représentant na bango azwaki ango kuna na ba Kenya Nairobi aye na ngo na mboka na biso Congo ngambo na Baaru kuna et il est arrivé à Kisangani pe aidi na bala komi na Kisangani et il a trouvé le pasteur Ngonde na Kisangani akuti mobateli Ngonde et il était son premier fidèle à Kisangani mobateli Ngonde ndazalaka mondimi ya liboso ya aidi na bala na Kisangani. À ce moment-là, nous avions le frère Kayembe, le frère Makanzo, et puis le pasteur Odia était avec eux, et puis le pasteur Chibang Kalanga, Papa Lendimangi, et le pasteur Herman Abotipai. Ils étaient avec eux. Papa Kayembe, pasteur Odia, Papa Makanzo, na. Lendimangi papa Lendimangi et bazalaki na bango. OK. Na pasteur Abotipai Herman. OK. Na Chibango Kalang. OK. Et en 73 na 1973. Attendez. Le départ de Aidine Abala à Kinshasa, c'est le pasteur Ngonde qui lui avait payé les billets pour y aller. Kokende siko ya Aidine Abala. Moto a fait pas en Zambé Malam. Kolongwa wana Kisangani kokende na Kisasa. Moto a fouté la ye tike nde pasteur Ngonde. Et il était, le pasteur Ngonde était le représentant légal de toute la Grande Orientale. Pasteur Ngonde nda zala ki représentant légal ya etuka ya monyele mobi mbandenge zala kaliboso. Tous les représentants légaux de toutes les régions ou de toutes les provinces allaient à Kinshasa dans des réunions. C'était à la Tchopa. Bongo, ba représentant légaux. Kinshasa. Ba représentant légaux nyonso. Ya ba région ndenge tozo benga oyo komi province lelo. Ya ba région nyonso bongo nde benga makikala. Bango nyonso babande kokende na Kisasa kuna na Tchopa pona kosala makita. En 73. Na 1973, le pasteur Alexis Barlier, qui travaillait ensemble avec le frère Ewald Frank de l'Allemagne, Alexis Barlier était de Suisse. Obateli Alexis Barlier, oya bandaki kosala musala, elongo moko na Obateli Ewald Frank, ye azalaki ya Allemagne. Est venu ici. Obateli Alexis Barillier aye awana Kisangani. Celui qui l'avait reçu, Mutoyamba aye awana Kisangani, c'était l'évêque Hassani qui était le président du synode régional. Ezalaki nde évêque Hassani, oyo azalaki président ya synode régional. Je crois que jusque là vous êtes avec moi. Et il avait convoqué l'évêque Hassani quand il a reçu Alexis Barlier dans son bureau. Évêque Hassani, tango ayambaki mobateli Alexis Barlier na esikane ya mosala. Il a convoqué 12 pasteurs. Abiangaki babateli zomi na babale.
qui étaient des représentants de culte dans la ville. Oyo bazalaki ba représentants ya ba mangomba awa na kati ne ngumba. Parmi ces gens-là, kati na batuana, se trouvait le pasteur Ngonde. Kati na babateli zomi na babale pasteur évêque Asani abengaki bango, pasteur Ngonde azalaki kati na bango. Et Alexis Barlier leur a parlé du message. Pe Alexis Barlier a sololi na bango pona sango malamu oyo. Après les avoir parlé du message, parmi les 12, celui qui avait accepté ce message-là était seulement le pasteur Ngonde. Et il est venu aussi en parler à pasteur Odia. Il y avait aussi un papa qui priait avec nous, qui priait avec eux dans un malam où il était à Kabondo. Alors tout le monde, les vieux Makanzo, les vieux Kayembe qui étaient avec eux, pas le pasteur Kayembe actuel, c'est le vieux Kayembe, il était parti à Kindoula et c'est là où il est allé mourir. Il leur a parlé tous du message. Asolo la kina bango na mbutamuto azaki na Kabondo, Makanzo na vie Kayembe, eza pasteur Kayembe oyo ya tozaka na yawa te. Oyo vie Kayembe asi akenda na ngambo na ba manyema kuna asi akenda ko soki akufa. Oui. Donc après avoir parlé de ça, Simanaye mobateli ngonde ko solo na bango yango, il est aussi entré en contact avec Barlier, lui montrant qu'il a cru à cette nouvelle lumière. Pasteur Ngonde a koti siko na boyokani na Barlier okomela ye koloba ete asi andimi oyo sango ya yakina. Le révérend donc le prophète William Marion Branham. Mosakoli William Marion Branham. Il n'a pas reçu son appel pour apporter la révélation du temps de la fin, les jours où le docteur Davis de Baptiste l'avait baptisé. Et bien geli na ye ya kote a sangomala moyo mo sakoli Branham azwa ki angote mokolo yo docteur Davis a baptisaki. C'est à la naissance même, il y avait déjà une visitation. Nambotama penza ya mosakoli koya kotala nzambe koya kotala ye ese salemaki. À 7 ans, quand sa mère l'a envoyé pour puiser de l'eau parce que sa famille préparait de l'alcool, quand il revenait, Dieu lui a parlé. C'est à ce moment-là que Dieu lui a dit: ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas donc ton corps de qu'une manière, parce que quand tu grandiras, tu auras un travail à faire. Natango wana tango mama na ya tinda ye kotoka mai pwete balamba masanga pwete bazalaka balambi ya lotoko. Sikoyo natango wana nde nzamba yaka kokutana na mosako Libranam alobi na ye komela makaya te, komela makaya te, komela masanga te, kobebisa nzoto na yo ata na lolenge moko te pwete oza na musala moko oyo okosala. Déjà à 7 ans. Kaka na tangwa. Mais quand il grandissait, bongo tango mosako Branham abandaki kokola, il est allé dans l'église baptiste. Akotaka na lingomba ya ba baptiste nde azalaki. Et il travaillait là-bas. Kuna pe azalaki kosala mosala lokwa mosala. Il était aussi l'un des anciens de cette église. Azalaki pe moko ya bampaka ya lingomba ya baptiste. Et celui qui avait demandé à Davis de le baptiser au nom de Jésus-Christ, c'était lui-même. Mutwasenga docteur Davis et abatsaye na kombo ya nkolo Yesu Kristo ezalaki ndeko Branham yemoko. Et depuis là, il ne s'était jamais fait rebaptiser jusqu'à ce qu'il est mort. Banda tango wana docteur Davis abatsaye na kombo ya nkolo Yesu Kristo na ebongisele ya mangomba abatisa mali susu te kino na suka ya bomo inai. Et il était sorti bongo abimaki.
à cause des femmes prédicateurs, parce qu'on a dit qu'on doit ordonner une femme prédicateur. Alors le frère Branham m'a dit, moi je ne savais pas que cela se trouve dans, dans notre doctrine. En tant qu'ancien, je dois connaître ce qui se passe dans l'église. Na bongo tango docteur David Abino esengeli to chela maboko mwasi moko akoma pe motei ya lobino ngai lokola mpaka na yeba kiteke makambo ya boye basi baba ndakote ya ezana kati na malakisi ya lingomba na biso nga lokola mpaka esengeli na yeba makambo nyoso. C'est ainsi qu'il était sorti. Bongo nde Branham abimaki na na Baptiste. Donc jusqu'à présent, comme je me tiens ici, lokola na telemia, je ne connais pas na yebite un pasteur du message de tous les anciens qui sont au Congo. Mobateli moko ya sango mala moyo kati na bampaka nyonso oyo bazali na Congo qui a reçu le message avant le pasteur Mondé. Nayebi oyo te ayamba sango mala moyo liboso na mobateli ngonde nayebi nanga ete. Le message a quitté l'Europe. Sango mala moto ndimi ebimaka na mokili ya poto. Et c'est arrivé ici. Pe ekomakia. C'était vers novembre décembre. Ezalaki pene pene na sanza na zomi na moko to zomi na mibale. À ce moment-là, barrière rentrée. Et en 1974, il a écrit la lettre en janvier pour remercier le pasteur Ngonde. La lettre est à l'internet, vous pouvez la lire. Na bongo na janvier, vous pouvez aussi demander à notre bien-aimé administrateur, l'honorable Thomas, il peut vous imprimer ça. Ça y a, il peut vous donner les liens, vous entrez, vous lisez la lettre. Na bongo na internet okoki kotanga pe mukanda na 1974 pene pene ba janvier kuna akomaki mukanda moko kozongisela bango awa na Kisangani kotonda bango ndenge bayambaki ye mobateli barilier akomaki yango mukanda yango ezali kati na internet bokoki osenga administrateur alakisi bino lien yango botangi yango. Je ne sais pas si vous comprenez. Na yebite soki bozo soso. Maintenant, à 1974, la plupart des anciens des Nzambe Malamu étaient baptisés à la Tchopa. À la Tchopa par Aïdi Yabala à Kinshasa. En 1974, Bampake Bele Yalingomba Yanzambe Malamu Fepaza Natangoana était rebaptisé au nom de Jésus-Christ. Bayak Babatisamaki Lisusu Nakombo na Yesu Christo na Tchwapa. En 1975. Na 1975. On les a encore rebaptisés. Babatisaka Bango Lisusu. Et il est arrivé que le pasteur Mondé devrait faire un voyage vers Lubumbashi. C'est alors qu'il a rencontré un de ses amis qui s'appelait Mwambanzambi dans l'avion. Et qui lui a donné la prédication du prophète. J'acquise cette génération. Wambanzambi akamati litea ya mosakoli apesi pasteur Ngonde oye biangami j'acquise nazo funda ekeke oyo. Et quand il était là à Lubumbashi, il a trouvé le problème. Quelle est votre lignée? Alors maintenant, ils ont dit, si vous n'avez pas été baptisé par quelqu'un qui avait été baptisé par William Marion Branham, votre baptême est faux. On a commencé comme ça. Natango akomi Lubumbashi akuti likambo. Yo outaka wapi? Kondima na yo outeli wapi? Oza mwana oyo botami na nzela nini? Soki obatisa makate na mutoyo musakoli Branham nda batisa ka ye libatisa na yo ezali ya mabe. Akuti bongo. Et le pasteur Ngonde va encore se faire rebaptiser à Lubumbashi. Mobateli Ngonde tango ayoki bongo abatisa mine lisusu na Lubumbashi. Pouvez demander à Botipai. Bokotuna, à Botipai.
vais demander à Chibang Kalanga, ils sont vivants. Bokyo Tanga, Bokyo Tuna Pe Chibango Kalanga. Eux-mêmes ont été baptisés, je ne sais pas, 4 fois. Bango moko nanu kakapona likambwana outa wapi babatsa maswe mbala mine sokiboni. Moi j'ai été baptisé 3 fois. Nga yoyo na telemia wa mbala misa tunde babatisanga. Et le frère Kanyinda qui venait ici, il allait faire son commerce à Bunya pour acheter le poisson salé. Alors il est venu, il a encore rebaptisé le chemin Karanga. Il a demandé quelle est votre lignée. Baria a été baptisé par Frank, Frank par Branham. Et donc des choses comme ça. Tango ndeko na biso Kanyinda ayaki awa abandaki ko kende ndeko na bunya ko somba ba makayabu ko sala mombongo na ebongo ayeli susu ayeko batisa ba chibangu Kalanga ba botipa atuni bango bino bobotama na nzela nini poete oyo Ewod Frank abatisa makinde na Branham. Ndesi my word Frank abatisi Barilier. Biso to batsami na Barilier bino bouti wapi? En 1976 au mois de mai, na 1976 mobuko to kama libwatu kusambo na motoba na sanza ya mitano. Moi aussi pasteur est venu me prêcher dans la chambre. Là ils étaient encore dans un même arabe. Ngai pe mobateli odia ayeko te ngai na ndaku na ngai ya chambre ya étudiant na bazana no na nzambe malam. Et je suis entré dans un malam. Na kota ki pe na nzambe malam. 2 mois après, kaka sanza mi balesi ma ya kokota na ngala nzambe malam. Le pasteur Ngonde est revenu de Kinshasa. Mobateli Ngonde azongi na Kisasa kuna kendeki. Et là Aidin a balété dans une réunion à Nairobi. Les rois Robert sont venus casser le baptême au nom de Jésus-Christ. Wana aidina bal ye azakuna na Nairobi na likitamoko ba ora Robert na batomi Osborne ba ye pona kolobalo libati na kombo ya Yesu Christ eza ya lokuta. À ce moment-là, na tangwana le pasteur Ngonde on les a convoqués à Kinshasa. Ba biangi ba pasteur Ngonde na Kinshasa. Et on nous a envoyé ici un homme de Bandundu qui s'appelait Atuzmin et sa femme et une femme Luba qui s'appelait Ntumba et c'est Mudiangana et Mukengeshai. Ils sont venus ici. Ba tindeli biso mobali moko ya Bandundu Atuzmin na mwasi moko mama Ntumba. Ba ye awa ba bato ya Nzambe malamba ye. Là, j'étais encore étudiant. Et cette femme-là a commencé à prêcher. Maman Tumba bandi côté. Ah, moi, je suis sorti dehors. Et le pasteur a dit, quand il est venu, il a dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Pasteur, moi, je lui ai dit, bon, il y a une femme-là qui prêche. Au même moment, nous causons avec le pasteur, le pasteur Ngonde l'appelle. Tango gato yo solo la pasteur Odia mobateli Ngonde abengie. Il lui dit Odia. Alobi na ye Odia. Soki botiki mwa si ate ya binu bosi bokufi. Si vous laissez une femme vous prêcher, vous êtes déjà mort. Alors après la prédication de Ntumba, nous étions dehors, Tuzmin est sorti et il a commencé à me dire ne suivez pas Odia. C'est un professeur d'université, toi tu as la mentalité des étudiants. Moi j'ai dit non non non. Là, j'avais déjà commencé à lire le prophète et c'était très sérieux. Si mana maman tomba côté à tous mine abimi babando yebisanga biyo kolanda odia te. Yo zana no moye kolie kolanda makambo na tenga na lobi etambola te. Po wana na bandaki déjà kotanga mosakole. Et ma première fille mamie avait seulement 2 mois. Na tangwana mwana na ngali boso mamie azalaika na sanza mibale ya mbotama. Et on a continué. Et après, nous sommes séparés de Nzambe Malam. Si mango nde tokabwanaka na batu ya Nzambe Malam. Et le 21 juillet, pe le 21 sanza mikolona sanza tokumi bale na moko sanza ya sambo parce que j'ai discuté beaucoup. Pe tengana zalaki ko tiana na bango tembe mingi. Le pasteur Ngonde avait prêché une prédication. J'ai senti comme si le ciel veut tomber sur ma tête. Et j'écris. Moi et ma femme. On est allé nous baptiser dans l'eau au fleuve, là où traverse le bac, le 21 juillet 1976.
Le 21 juillet, sanza ya sambo 1976, nde bake ko batisa biso na ebale fleuve Congo nesika oyo baki ekatisaka. Et à ce moment-là, na tangwana, nous ne connaissions pas une église qui avait commencé. Les gens de Kinshasa, quand j'ai suivi leur histoire, j'ai appris qu'ils avaient écrit le message en 74. Bongo toyebaki na no tata lingomba moko akisaso ebandaki botango na yoki lisolo ya ebandeli ya makambo ya ndenge bandana kisasa bayebi singa lobi bandimaka na 1974. Nous sommes restés depuis 1976, depuis ce temps-là. To tikalaki ko bandana tango wana mobuko to kama li bwatu ko sambo na motoba de toutes les églises du Congo. Na bamangomba nyonso ya Congo RDC, la première personne qui a visité notre église comme un frère venant d'une autre province, c'était le pasteur Kayumbi qui venait ici acheter les habits de Sotesquier. Na bongo na mangomba nyonso ya Congo motsali na nzambe oya yaka kotala biso na lingomba na biso na Kisangani lokola mosali na nzambe ko uta na etuka mosusu ezalaki kaka mobateli Kayumbi Beya abandaye koyawa kosomba bilamba na ye ya Sotexki pona kokende koteka. Or à ce moment-là, nzokande na tango wana, le pasteur Litombe la de Baptiste avait déjà eu sa bourse du conseil qui venait pour aller en Suisse. Mobateli Litombe la moto ya bibongiseli asia zwaki bourse na ye ya ye kokende kotanga kelasi ya makambo ya nzambe na Suisse. Il devrait y aller. Esengela ki akende. Il est venu demander au pasteur Ngonde. Aye kotuna mobateli Ngonde. Le pasteur Ngonde, c'est lui qui lui avait donné l'adresse de Barlier. Bongo mobateli. Et la première lettre circulaire. Mobateli Ngonde akamati mokanda oyo pasteur Barlier abandaki kokoma lettre circulaire a pesiye. Pe akamati adresse ya Barilier apesi Litombela. Quand Litombela revenu, tango Litombela akei na Suisse pe azongi, il a écrit le message là-bas. Kuna na Suisse mobateli Barilier abatisi andimisa ngomala. Mais le pasteur Ngonde avait déjà écrit depuis longtemps et le message avait déjà commencé ici. Wana awa sangomala mwese bandaki mobateli Ngonde asi andimaki na ekala. Quand il est revenu, il est toujours dans l'église baptiste. Tango mobateli tombe la zongi, azalaki kaka na lingomba na ya baptiste kuna. Bao batindaki. Dans cette église là, le papa makambo était là. Na lingomba wana ya baptiste, papa makambo azalaka pe kuna. Pasteur Chibembe était là. Pasteur Chibembe azalaki pe kuna. Pasteur Chibango Kabuye était là. Pasteur Chibango Kabuye azalaka na lingomba ya baptiste était là. Pasteur Kamulete, pasteur Kamulete pe azalaka na lingomba wana. Et le pasteur Maula. Na mobateli Maula azalaka kaka kuna. Et il y avait aussi, je crois, un homme en ville, le grand-père de pasteur Etienne Tumilali, papa Litombela. Otolito, je vais dire papa Otolito. Ezalaka pe na papa moko na engumba kuna, ye azali koko ya mobateli Etienne Tumilali. Il avait sa menuiserie. Azalaki meka Zaire, menuiserie na ende meka Zaire. Alors, je crois qu'il avait deux ou trois femmes, moi je ne sais pas. Azalaki na basi mibale. Ok. Alors, quand le pasteur tombe, comme il connaissait le message, dans un jour, c'était à la veille de Noël, je crois, à la veille de Noël. Alors, il a commencé à parler aux choristes du message. Et il leur a parlé ici, le baptême n'est pas bon. Alors, il a pris un groupe. Il a pris le pasteur Maula, le pasteur Chibango, Kabuyi, le pasteur Chibemba, et puis le pasteur Kamulete. Et ils se sont retirés chez Mekazaï. Nabongo, mobateli Litombela, na moto, autaki déjà, nango kuna sandimisa ngobalam, abandi, kolobali batissima, kambundenge zaliawa, izo sale mamala mute, libatise zala kaboyete, makelele wana, akamati, bakoriste, Chibango Kabuyi, Chibemba, akamati ba pasteur Kamulete, abendani na bango, epai na papa Otolito. Et ils ont commencé à aller là-bas.
Jusqu'à ce que l'église baptiste l'avait rejeté. Alors, papa Makambo, quand il a pris ça, il a suivi Chibankaboui par tous les moyens pour comprendre. Quand il a compris, il lui a dit, aujourd'hui, vous devez me baptiser. Papa Makambo, il a dit, Chibankaboui, ni kasi, li Kambango est abonné. Naso solate, Chibankaboui, il a zo lingo yebisa ete, mais tango a so solisie li kambo, a yebisi. Et si on disait, non, attendez, attendez. O anazo yebisa, zela, zela, bino bozali bongiseli. Tango a so soli. C'était le jour de Noël, je crois, le 25 décembre. Et zala ki, tango ya Noël, nasuka yambula. C'est alors que Chibankaboui est allé aussi le baptiser. Papa Makambo alobi lelo elikate batisaka kangai. Ils étaient déjà baptisés en octobre. Wana na sanza ya zomi bango équipe na bango basi ba baptisa maki. Ici dans la province, awa na etuka, je ne connais aucun ancien en dehors du pasteur Ngonde. Libanda na pasteur Ngonde. Mpakata moko nazo yeba yete. Cette église qui était dans la 15e, Lingombo ezalaki na 15e kuna. C'est par une vision qu'ils ont commencé à prier là-bas. C'était un bar. Wane ezalaka nde bar nganda. Kasi na emono moko nde babandaki ko sambela wana. Okay. On leur a montré, allez demander, on va vous donner ça. Balakisi bango na emono ete bokende bo senga bakopesa ça pasteur Ngonde. Balakisa ki ango na mobateli Ngonde kende senga bakopesa bino esika wa. La parcelle où nous sommes ici. Ata parcelle to lupango to zalia. C'était pour Singa Mwambi, je crois. Singa Mwambi. Ezalaki po na papa Singa Mwambi. Alors Ndongala oui. Kombo na ye Ndongala. Pour acheter ici, il y avait beaucoup de problèmes. J'étais trésorier. J'étais aussi diacre. Le papa Makambo était président du conseil des administrateurs. Papa Makambo Azalaki président ya banyangeli misolo. Le pasteur Ngonde nous envoyait aller faire ceci. Nous allions faire. Okay, ça. Nous sommes allés payer. Okay, et après, on a intoxiqué Ndongala. Vous voyez, c'est l'espace vert du gouvernement, beaucoup de choses là. Si mango bakeyi kokoti sa chongi songi songi pa Ndongala lobi omonye sikawana ezali ambula matali atika kabongo boina bo. Alors quand je suis arrivé, le pasteur Ngonde était presque découragé. Je lui ai dit non, quand c'est pour une cause sociale, on peut même vous déloger de votre parcelle, détruire la maison, construire un hôpital. Si la personne ou la division de la santé veut construire un hôpital dans un milieu, on peut vous déloger, éraser et construire. Na yebisi nga na lobité kolamba motema te soki ezali po na bolamu ya bato ebele na mboka ata yo za mukolo lopango division ya santé ko ki ata ko ya elongoli yo nesika wana po bato ngo hôpital oyo ko sunga bato ebele bako ki osalango. Et nous avons obtenu les documents de la parcelle, l'acte de vente. Et nous avons fait toutes les démarches pour avoir les documents de l'église. Cette église ici, Lingombo Yomoni, ça a commencé depuis longtemps. Et Banda Bandakala. L'église de Kinshasa, ils ont commencé en 1974. Lingoma na Kinshasa balobi babanda na 1974. En Swala. Kuna na quartier Swala. À Bandal. Avenue Swala na Bandal. Okay. Na commune ya Bandal. C'était dans la maison de la mère du pasteur Baruti. Ezalaki na ndaku ya mama ya pasteur Baruti. C'est là où ils ont commencé. Kuna nde babanda. Quand Mukuna est venu, tango Mukuna aye, alors il les a déplacés. Ils sont allés à Kilangwa, Kilangwa à Lemba. Bongo Mukuna alongoli bango kuna na Swala, amemi bango na Kilangwe na Lemba, na commune à Lemba kuna. OK. Et ils sont restés là-bas. Et batikala kakuna. Et après Mukuna a commencé ses histoires de Branham Dieu, de ceci cela, et lui-même est devenu je ne sais pas quoi. Il avait commencé beaucoup d'histoires.
Bongo simango batika la kikuna simamuku na bandiba makambu na yebra na mzambe ye moko muku na je mal compris bon na makambu ebele ebele. Mais après ça simanango ils n'ont pas eu le courage de sortir. Bango bazwaka mpikote yakobima. Mais celui qui est allé le faire sortir, c'était le pasteur Kayumbi de Mbujimayi en 1980, je crois. Kasi pene pene ba 1980 mutu akendeki ko pesa bango piko po ete ba bima. Ezakinde mobateli Kayumbi beya ya Mbujimayi. Et le pasteur Mondé est parmi les gens qui ont beaucoup édifié l'église de Kinshasa. Aujourd'hui Baruch Tabernacle. Il est parmi ces gens-là avec Mwamba Ilunga de Kolwezi et Mani qui y allait parfois. Mais les gens qui y allaient souvent, comme ils sont tout près, sont les gens de Mbujimayi. Nabongo, Mobate Lingonde aza kati na batu. Basali na nzambo babanda kiko kende po na kosala ete lingomba na kishasa bakola bakemba bazo kende tango na tango ezaki mobate lingonde mwamba ilunga ya Kolwezi na Kayumbi Beya na ba docteur Mbie bango nyonso wana mukeba ba diambuji mukeba ba diambuji pe ambuji mai kasi ba diambuji mai et le pasteur Vibidila na mobate li Vibidila ba diambuji mai lokola baza pene pene bango nde babandaki okende ba Kayumbi mukeba ba diambuji na ba Vibidila bango nde bazaki okende mingi na Kishasa. Donc la première personne qui est venue ici, il avait même prêché dans le mariage de la grande sœur ou dans le deuil, je veux dire, de la sœur Komba, qui était, je crois, la nièce, la grande sœur à pasteur Kamulete. Le pasteur Kayumbi a prêché là-bas. Il, quand il prêchait au campus, tous les étudiants suivaient. Nous tous, on les suivait là-bas. Oui, oui. Bongo tango pasteur Kayumbi, mutuna liboso koye la biswa wande ye. Ayaga même kote na matanga ya sœur Komba. Tobandako benge mama Komba azalaki yaya ya pasteur Kamulete. Ate aki na matanga kuna bongo tango azote ata na campus soki kaka tei sibiso nyonso nde tolandie kun. Après ça aussi vous voyez tout le monde baptisé à la rivière Tchop. Nous on allait baptiser là-bas. L'équipe qui était avec les frères ils tombaient là-bas, les pasteurs Kamulete, Pamakambo, Chibemba, Maula, Chibankaboui. Ils allaient aussi baptiser à la rivière Tchopo. Alors, ils se sont rencontrés à la rivière Tchopo. Nabongo, natangu moko bisonyo so eza la banane eza tozaki okendo batisa kaka na ebale Tchopo kuna sima inibra. Eza l'équipe oyo ya papa eza laki kosala kuna na papa litoa mbela epa ya papa tolito eza la biswa soko tei mutu andimi tokia ko batisa e kaka kuna na ebale Tchopo. Mukolo moko bakia ko kutana. Celui qui allait baptiser souvent, c'est le pasteur Chibon Kananga. À un moment donné, on l'a appelé même Jean-Baptiste. Na mutu abandaki ko batisa bato mingi ezaki Chibango Kalanga tango moko bako benga ya ta Yohani Mobatisi. Ce n'est pas comme aujourd'hui quand quelqu'un baptise l'autre, alors il devient son fidèle personnel. Ezate lokola lelo soki kaka mutu abatisi mutu wana kominde mutu na poche naye. Je vous dis qu'à ce moment-là, ici devant, il n'y avait pas de on mettait une chaise, personne ne s'y asseyait, on disait que c'est la chaise du Seigneur Jésus. Na tango wana bandeko tango wana bazako tia kiti moko liboso mais mutu afanda na kiti wana te balobi mutu abongi ko fanda wana ezaka kankolo Yesu kiti na ye wana. Et on était comme ça tozalaka kaka bongo. Et je vous dis qu'il n'y a personne, demande pas magam, personne ne portait les jeans. Si vous portez les jeans, vous êtes un mondain. Toi tu n'as pas papa makambo yo la ta jini ou la ta te soko la ti jini ozali moto na mokili. Nous avons commencé à porter les dînes quand nous avons vu la photo de frère Branham avec qui a porté les dînes. La photo de frère Branham a C'est alors qu'on a commencé à se visiter. Le pasteur Wali, je crois, c'est lui qui est venu là-bas le premier. Après le pasteur Wali, c'était le frère Sumbu. Je crois que j'étais parti avec le frère Sumbu pour l'interpréter. Et puis le pasteur Litombe venait ici. Et le pasteur Chibankaboui. Et ainsi de suite. Après ça, on a trouvé qu'on devrait être ensemble. Nabongo simango
bibolo nyonso mibale biso awa na bango epaya otoli to tomoni ke to bandio kende kotala na lokato yebanaki na baptême pasteur odia nde muto nous prêchons la même chose tomoni te tozo te ya eloko moko mobateli odia nde muto aliboso ko kende kotala bango kuna esimango frère sumbwa kende ki na bongo na bongo ngala kende kutu na frère sumbu ko interpréter ye nde simango bango pe pasteur litwa mbela chibangu kalanga baba ekabui babandi pe koya kote ya ngambo oyo. La deuxième personne à venir nous visiter ici, c'était le pasteur Moukeba Badiambouji. Mutunami balé koya kota la biswawa autaika kana mbuji mai pasteur Moukeba Badiambouji. Et lui est venu en 85. Yena 85 ndé akomeka. Et les jours qu'il a rentré, sa dernière prédication, c'est le jour où on avait consacré Gédéon. Mukolazo zonga tangwa te ilité na ya suka ndé mokolo. Et nous étions en train de prêcher sous la pluie. Après, il est parti. Le pasteur Baruti est venu ici lors de notre convention de l'amour divin en 1996. Pour la première fois. Ponambalane na liboso akoma na Kisangani na tango to sala kili kitana biso likolo na bolingo na nzambe na mobuko to kama libwa tuku libwa na motoba. C'est à ce moment-là que j'ai connu le pasteur Balota que nous avions ici comme notre diacre. Na tango anande na yebaka mobateli Balota oyo tozalaki na ya walokola mosungi na lingomba. Parce qu'on l'avait amené de Yangambi, il était malade. Oye te bamemaka pasteur Balota uta na Yangambi azalaki obela. Et j'ai dirigé la salle des dons déjà. Ngana azalaki kokamba na tango wana ndako ya makabo. Et nous devions nous réunir avec les vases pendant qu'on priait, les vases donnaient les messages et nous on priait pour Balota. Bongo tango toyanganaki tosengai toyangana na bambeki bazoba toyangani bango bazobondela bazopesa ba sango ba message biso tozo bondela pona Balota. Et vous pouvez comprendre déjà de prime abord okoki kososola kaka na oyo to bandi na ngobo ce que je viens de vous dire en bref oyo na uti oyo babino na mokuse. Je ne connais pas quelqu'un dans notre pays ici, dans le RDC, qui était, quand le pasteur Mondé était vivant, qui était son ancien. Je ne le connais pas. Nayebite awana RDC, na mboka na biso Congo démocratique oyo. Nayebite mutu moko oyo, tangu mobateli ngonde azalaki na bomoi, mutu wana azalaka mpaka na ye. Je ne le connais pas. Nayebite. L'homme de Kinshasa qui est venu le premier ici, c'était le pasteur Ngoma. Mutuna Kinshasa ya kome Ngoma Mpuya. Mutuna Kinshasa ya liboso akome la kabiswa wa pona mbala na liboso ezalaki mobateli Ngoma Mpuya. Je ne connais pas aussi quelqu'un que le pasteur Ngonde ait choisi pour être son ancien ou son évêque. Non. Na yebite mutumoko yo mobateli Ngonde aponaka ye ke banda lelo yondo komi évêque nanga to mpaka nangai. Nous devons respecter les écritures. To singeli toto sama komi. L'évêque, on ne le choisit pas. Épiscopo évêque baponaka yete. C'est un droit biblique. Ezali oyo mosala oyo biblia epesi à partir du travail qui est fait. Ko bandana mosala oyo salemaki. Si vous voyez les gens comme le pasteur Ali, je ne connais pas là où il a été baptisé. Même le pasteur Bafoloki, je ne connais pas là où il a été baptisé. Moi, je ne connais pas. Vous comprenez? Le pasteur Kachama, je ne connais pas là aussi là où il a été baptisé. Mais s'ils peuvent m'appeler ancien, c'est un droit que me donnent les Écritures. Au moins, je suis le pasteur, je suis en tête de la première église de la province. Omoni batolokola mobateli ali mobateli bafoloki mobateli kashama na yebite esika babatisama mais soki bakokio benga ngai episcopo to évêque ingi koloba ezali makokio yo biblia epesi ngai nde nazali
mobateli to na mutu ya lingomba oyo ya liboso. Tous les évangélistes qui sont allés partout. Prêcher l'évangile jusqu'à l'équateur. Kino na équateur. Le pasteur Kef Mba, donc, sont partis de chez nous. Bango banso ba utande epai na biso. Est parti aussi avec l'argent de l'église. Bakenda kape babanda ki pe ko kende. Lingombo yonde banda ko pesa bango mbongo ko futa billet ticket. Je cherchais ces cahiers là où j'écrivais quand j'étais trésorier. J'ai trouvé 3 cahiers. Donc, j'ai trouvé un cahier où j'avais reçu les ordres du pasteur Ngondé. Quand les pasteurs partent en voyage missionnaire, on restait payé l'eau, on restait payé le courant, on restait payé même les études de leurs enfants, on restait payé l'hôpital de leurs enfants. C'est que ces églises-là ont été ouvertes sous la conduite de l'Assemblée chrétienne de Kisangani. Vous ne demandez pas ma cambo, il était président des administrateurs. Maoula, je l'appelais toujours Amos. Les naissances désirables ont commencé avec Wembodinga. Hôpital et à naissance désirable, Wembodinga Ndazalaki Moutouabandissa. Alors, avec lui, une femme de ces évangélistes-là a pu accoucher après son mari. Et c'était une opération, c'était une césarienne difficile. Nous avions quitté l'hôpital, je ne sais pas, 2h du matin. Nous veillons là-dessus. Je crois que Papa Campé se souvenir, Papa Thomas connaît, et puis Honorable Mouloye connaît. J'ai dû partir à la maison médicale pieds nus, transportant l'enfant d'un évangéliste, parti en évangélisation. Alors, j'ai dû transporter son enfant, courir pieds nus à 3h du matin, arriver à la maison médicale. À presque à 3h45 pour que cet enfant là soit sauvé. Papa Makambo Ayebi, Papa Thomas Ayebi, Ata, Papa Mulowai, Moko na bapalanganisi na sango malamu tango akei na mema mwana na ye maladi pene na kufa na ba 3h di matin nazo kende na ye makolongulu mbangu na maison médicale pour na kokende kopesa ye kisikuna. Et Dieu avait aidé. Celui que nous avons reçu ici venant de Lubumbashi, c'est seulement Mani Kambumba. Kaka Mani Kambumba nde autaka na Kolwezi. Alors il venait de Kolwezi. Autaki na Kolwezi. Alors lui, c'est lui qui nous avait prêché ici. Yen ateya kabiswa. Après il a reçu son visa, il est allé en France ou il est allé rétrograder. Ça, ce n'est pas notre affaire. Ate abiswawa kasi simanango azwaka visa na ye akena poto na France kuna etali bisote azonga sima. Donc je continue à affirmer nazo koba kobeta sete pe koloba ezali bongo que ici kolobete awa cette église c'est une plus vieille église. Oyo nde lingomba ya kala 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 koleka misusu. Elle est strictement fondée sur la vraie parole de Dieu. Lingomba oyo litongami na tembete likolo na liloba na Nzambe ya solo. Je crois que par la grâce de Dieu, Dieu m'aidera à ne pas dévier.
Nandimiete nangolo nzambe, nzambe ako sungangai, natangwa libanda na liloba na nzambe te. Avant que nous mettions l'ordre ici, pe libosoto tia molongo kati na lingomba awa, nous avions reçu quelqu'un qui venait du Nord Kivu, Mbarushimana. Tozwaka mutumoko autaki na Nord Kivu komona e Mbarushimana. Alors la nuit il avait une vision. On disait que quand on va mettre de l'ordre, qu'on fera le vote, toi Ngondé, c'est lui qui va passer pasteur. Là, il dormait chez le pasteur Chibankaboui, avec lequel il se connaissait déjà dans le Nord Kivu. Yeah, amona butu azwindoto koloba ete tango bakotiaka molongo mobateli Ngondé nde akoleka mobateli alingombo na wana zolale pana mobateli Chibangu Kabui po basi bayebanaka na ye na Nord Kivu tango oyo na bandeko kende kuna. Et beaucoup d'autres choses. Na Makambu Ebele. Nous avions un frère qui travaillait chez Sedec, j'oublie son nom. Tozaki na ndeko moko abandaye ko sala na Sedec. Il était gérant. Azalaki gérant kuna na Sedec. Il avait été aux États-Unis. Ye akendaka na États-Unis. C'est à partir de lui que j'avais reçu tous les documents sur l'ordre de l'église. Ezali uta na ye nde nazwaka ba mikanda nyoso likolo na molongo kati na lingomba. Et pour mettre de l'ordre en 1987, nous avons fait de grandes réunions. Et nous sortions parfois à minuit ou à 2h du matin. Et c'était très sérieux. Si le pasteur Kamolete était sorti, soki mobateli Kamolete alinga bima. Non, s'il était sorti à la fin. Ah, soki suka suka bimaki. Dans une des réunions, presque l'avant-dernière réunion, il avait dit je vous quitte. Na moko na makita oto bandaye ko sala pene pene na oya suka. Ye na tango wana lobaka na bimi na tikibino. C'était à 1h30. Tango alobaka ngwe zalaki tango tokomi na 1h30. Et moi je l'ai suivi. Ngai na landaki. C'est ici où nous étions restés. Nous étions restés nous deux ici. Totele maka na ye kaka wana balabala. Nous deux. Biso babal. Jusqu'à 2h45. Totele mi na ye na balabala awa kati 2h45 minutes. Et il est revenu à la dernière réunion nous demander pardon. Pe na réunion ya suka na likita ya suka ne pasteur Kamolete azongaka siko ya sengi biso bolimbi parce qu'on avait tellement parlé pote to solo la kalise kite. Donc quand on a mis l'ordre engiko batango to chaka molongo kati na lingomba, personne ne venu d'ailleurs mutwata moko ta utaka musika, personne mutwata moko, nous l'avons mis nous-mêmes to chaka molongo biso moko. Le pasteur Mali qui venait de Kinshasa, Mobateli Mali oya utaka na Kinshasa, qui est avec nous, azalaka na biso awa, il avait trouvé tous les documents chez moi. Ye akutaka nde mikanda nyoso oye tali molongo epa na ngai. Et il me demandait est-ce que vous avez ça. Azo tuna ngai yo zwa kasi mikando yo wapi? Nous avons dit c'est le message de l'air. Ngana lobisi eza sango malamu ya tango. Alors il venait prendre et il préparait aussi ses prédications parce que c'était moi et lui qui avions prêché l'ordre à ce moment-là. Abandeko ya kozwa mikande panangai azobongisa pe makambo ya molongo pote bapesa kabiso ngai na ye pasteur Mali mokumba ya kote ya molongo kati na lingomba. Ainsi de suite. Nabongo nabongo. Et après nous avons mis l'ordre. Simango tochaki molongo kati na lingomba. Le 12 juillet 1987. Mokolo na sanza zomi na mibale sanza ya sambo mobuko tokama libwa tukumwambe na mi na sambo. Alors, tout ce qui peut se rencontrer à l'internet, ça n'engage que les auteurs. Oh, nyonso, bakoki koloba loba na ba réseaux sociaux, etali kaka bato bakoloba loba na bango, etali biso te. Mais le message n'est pas venu de Kinshasa. Kasi sango yo biso tondimiawa eutela kabiso na Kinshasa atamba la mokote. Ce n'est pas venu de Lubumbashi. Eutela kabiso na Lubumbashi. Ou de Mbujimayi. Eutela kabiso na Mbujimayi. Ou de l'Équateur. To na Équateur te. Au contraire, les gens d'ici ont amené le message là-bas. Na esika ya kouna ezande batuya wa nde ba memaka sango malamu na ngambo kuna na Équateur. Parce que makambo e passé Tshibemba, ils sont partis jusqu'à Ayapaka de passant Mbumba.
Papa Makambona, Pasteur Chibemba Bakendeki na Yapaka, Kole Kabumba. Et ils ont trouvé Moulende, et c'était Moulende étiqueté. Nakutaka ndeko Molende na etike. À ce moment-là, Lucia n'avait pas encore crié, Jérémie n'avait pas encore crié. Natango wana Jérémie andimi na note, Lucia andimi na note. Même quand je suis parti dans la réunion de dans la convention qui était à Bumba, tout le monde était là, on était avec le pasteur Manzé, tout le monde, le pasteur Jérémie, le pasteur Lucia, nous étions avec le pasteur Josaphat, il était moi, le pasteur Chibankaboui, mais c'est lui qui avait présidé la réunion et qui tenait la réunion, c'était moi. Atatango tokendaki na likitakuna na Bumba. Mobateli Manze, Mobateli Lucia, Mobateli Jérémy, bazalaki wana kasimoto ya bandaki ko kamalikita wana ezalaki ngai. Donc je vous donnerai, je vais faire un bouquin de détails. J'essaie de compléter ce qui est dans notre livre d'histoire de l'historique du message. Alors quand je ferai le bouquin, je parlerai comment le message est entré au Congo. Et puis comment il est arrivé à Kisangani. Donc j'ai dit en bref que le message a quitté l'Europe tout droit Kisangani. Les gens de Kinshasa ont reçu le message de leur manière. Les gens de Mbujimayi, Vibili l'a amené le message là-bas. Les gens de Lubumbashi ont reçu le message de leur manière. Moi, je ne sais pas. Vous voyez. Je crois que le Fengepa est allé à l'Équateur après que les papa Makambwe et Chibemba sont déjà partis là-bas. Je connais tout ça. Et même Kabuya qui est allé Sala, c'est après. Bongo, vous voyez, c'est ça brièvement. Oui, nazo sala nanu sikoye zalika ko bakisa oto ko maka na buku na biso historique ya message. Tango na kozonga na kokoma mukanda ya ndenge sango malamu oyo ekota na Congo pendenge komela biso na Kisangani. Sango malamu euta mbala moko na poto ekomi na Kisangani. Bato ya Kinshasa bazwaki sango malamu na ndenge na bango. Bato ya Lubumbashi bazwaki sango malamu na ndenge na bango. Ngai na yebite. Biso tozwaki sango malamu ko utambala moko na poto ekomi awa na Kisangani. Okay. Donc je devrais vous le dire de cette manière là.